Bonjour, je m'appelle Lydia, je suis pranique inédienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pranique, c'est les personnes qui vivent de prana. Le prana est un terme sanskrit qui veut dire énergie vitale. Et donc, je n'ai pas besoin de m'alimenter de façon solide. Et inédienne, c'est je bois de l'eau de temps en temps. Et comment je suis venue à ça? Alors, pour la première petite anecdote que je raconte, c'est... Maman m'a dit que les 3 premiers jours, je ne me suis pas alimentée, j'ai refusé l'alimentation. Et les médecins lui avaient dit, c'est simple, vous mettez le biberon dans la bouche et vous lui pincez le nez, elle sera obligée d'avaler. Maman l'a fait. Elle me raconte que... Donc elle a mis le biberon, elle a pincé le nez et finalement, j'ai recraché d'abord et j'ai crié après pour dire que j'étais pas contente, quoi. Et puis bon, apparemment, j'ai dû avoir pitié de ma pauvre petite maman et j'ai remangé derrière. Et voilà, donc c'est la petite anecdote comme quoi on peut naître pranique. Mais ça, je l'ai su très tard, je ne le savais pas. Vers 10-12 ans, il y a eu la conquête spatiale. Et là, je me suis dit, mais ils vont dans l'espace, ils ne peuvent pas manger. Comme nous, on mange à table avec les trucs comme ça. Je dis, mange des pilules. J'ai dit, déjà, ça me parlait. Je me disais que... C'est la solution pour moi, je me sentais proche de ça, je me disais, je veux aller vers ça, je trouve ça chouette, parce que moi, passer des heures à table, ça ne me plaisait pas, manger, ça ne me plaisait pas, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dans ce rituel. Mais je suis quand même quelqu'un de gourmande, hein. Faut pas croire que les anniversaires, les gâteaux, tout ça, j'étais quand même gourmande, mais il y avait quelque chose qui me disait que j'avais pas besoin de ça. Bon, la vie continue, tout ça. Vers 30 ans, je deviens végétarienne. Et au tout début, c'était vraiment au début où c'était pas du tout à la mode et c'était assez compliqué, mais j'étais partie sur l'idée de la viande, tout ça, on me l'a imposé, j'aimais pas trop ça. Mais déjà quand j'étais petite, j'avais 2 chiens à table, donc ils finissaient mes restes, c'était génial. Mais il y a eu... Aller sur le chemin pranique ne peut être qu'un chemin personnel de décision. Quand on est prêt à le vivre, on le fait. Il faut être aussi patient avec soi-même, parce que c'est un tel nettoyage, parce que être pranique, c'est pas que arrêter de manger, c'est le fait d'arrêter de manger qui va libérer des choses en nous, libérer des sentiments, des émotions, et il faut être prêt pour ça. Et le faire trop tôt, ça sert à rien.